centre du ring l'annonceur pour la suite des choses, Jimmy Lennon Jr. Charlie Ota. Know that you need to glow, you need to glow the world. If you love to live, you live to love, fuck, you gotta move to the upper level. Cause when you got to glow, that is no stopping what you want to do. And now, entering to the red corner, faisant son entrée dans la coin rouge, the undefeated Jermel, Iron Man Charlo. Coming hard from Houston, Texas, the concrete jungle, Alien Texas, got them Charlo twins, they're about to turn your lights on, Charlo twins. Bonsoir, bienvenue au Centre Bell de la ville de Montréal. We welcome you, ladies and gentlemen, to the Bell Center here in the beautiful city of Montreal as we have a big night of action coming your way. And it's all brought to you by Group Yvonne Michel and Showtime. At this time, a junior middleweight eliminator. It is sanctioned by the IBF President Daryl Peoples, Supervisor Lindsay Tucker. Introducing to you our three judges scoring this bout from ringside, les juges pour ce combat. From New Jersey in the United States, Larry Hazard Jr. From Canada, Jean Lapointe. And from Rhode Island in the United States, Robert Paolino. And our referee in charge of the bout, he'll be giving instructions after the introductions, Jean-Guy Brousseau.
All right, fans, here we go. 12 rounds of boxing in a junior middleweight special attraction. Introducing to you first on my left, fighting out of the blue corner, Dans le coin bleu. Wearing gray trunks, fighting out of Tokyo by way of New York City, he weighed in at 153 pounds. His record, 24 wins, one loss, one draw, with 16 wins coming by way of knockout. He is ranked the IBF number 9 contender. Introducing Vuye Akuye, Charlie Ota. And his opponent across the ring on my right, fighting out of the red corner, Dans le coin rouge, wearing tan trunks with red lettering, hailing from and fighting out of Houston, Texas in the United States. He weighed in at 153 and 3/4 pounds. He is undefeated in his campaign in the ring with a record of 23 wins, no losses, and 11 wins coming by way of knockout. He is ranked number 5 in the world by the IBF. Introducing the undefeated Vuye Akuye Jermel, Iron Man Charlo. A referee in charge, now to give instructions, Jean-Guy Brousseau. Box out. You receive my instruction in dressing room. I want clean fight. Obey my command, protect yourself at all times. Touch love. Good luck. Jean-Guy Brousseau, Bernard et Mike est allé de ses dernières recommandations. Mike, question, il y avait des mensurations de Charlo et Bellamy. Oui, 24 ans pour Charlo, 32 pour Ota Bellamy. Le poids, c'est sensiblement la même chose, mais vraiment l'avantage au niveau de la taille pour Charlo, 5 et 11 contre 5 et 6. Et regardez la portée, 26 pouces et demi contre 24. Les rounds en carrière, avantage pour Ota Bellamy, 170 contre 135. Charlie Ota, qui a boxé la grande majorité de sa carrière au Japon, porte la culotte grise. Charlo, ben, c'est la culotte beige et brune. C'est presque dire la culotte poilue. Pas c'est une fourrure quelconque, là, mais c'est un style. Jermel Charlo, qui est accompagné de son jumeau, Jermel Charlo, qui lui a une fiche de 18 victoires, aucune défaite chez les pros, et qui est classé aussi à l'IBF 14e dans la même division de pros. Donc, tu as deux jumeaux là, qui vont très, très bien là, au niveau de leur carrière, invaincus jusqu'à maintenant. Tu es accompagné aussi de Sam Watson, le gérant de Adonis Stevenson. On a confiance en Charlo. Là. Quand Al Heyman et Sam Watson s'approchent d'un boxeur, c'est parce qu'on pense qu'il va se rendre champion du monde. On a vu la grande différence de portée, en fait, une bonne différence de portée favorisant Charlo. Est-ce que nécessairement, dans son coin, on va dire, s'utilise le jab pour justement garder une certaine distance, Bernard? C'est certain que pour Charlo, il a intérêt à garder son adversaire à distance, mais Ota, toute sa carrière, lui a été plus petit que ses adversaires. Donc, pour lui, c'est de passer sous les grands bras de Charlo, d'attaquer au corps et de revenir à la tête. Donc, quand tu es petit, tu restes encore plus petit. Il ne faut pas que tu tentes de grandir et de donner une cible. Et Ota, avec ses succès jusqu'à maintenant, boxe professionnel, a compris ça. Bonne droite appliquée par Charlo là-dessus. Belle réplique de Ota. Si Charlo a été impressionnant, comme Mike l'a dit, contre Ozado à Washington dans son dernier combat, ça n'a pas été le cas de Ota. Son deuxième combat aux États-Unis, il a fait ça, lui, au mois de novembre dernier. Et puis, il s'était battu contre Mike Ruiz, qui avait une fiche de 17 victoires, 7 défaites. Il a réussi à remporter une victoire majoritaire. Donc, c'était difficile pour lui, ce combat-là. C'est pour ça que, sur papier, Charlo est largement favori. Les deux boxeurs ont fait leur début professionnel à un an d'intervalle. En cas de Charlo, il est devenu pro en 2007. C'est 2006 pour Ota. Charlo qui bouge bien, se déplace bien, ne croise pas les jambes, est à distance, tire ses grands bras. On peut voir que c'est un boxeur talentueux. Bonne position sur le ring. Et Ota n'a pas le choix, lui. Il doit ratisser la distance. Il doit se tenir prêt. Et sinon, au bout du point, il va être deuxième. Il va échapper tous les rounds.
il tente de s'approcher, mais Charlot utilise bien la distance. Oh, oui. Quelle belle combinaison et quelle belle façon de terminer ce premier round de la part de German Charlot, qui va sans doute se sauver avec les honneurs de ce premier round. Yeah. Et ce qui est bien, c'est qu'on a vu la combinaison tout de suite, il s'est déplacé. Il s'est déplacé tellement rapidement que Jean-Guy Brousseau, à un moment donné, est quasiment rentré en collision avec l'arbitre. Donc, on voit déjà là, frappe, il a compris le principe, on frappe, on bouge, on frappe, on bouge. Exactement. Et dans le cas de Jean-Guy Brousseau, lui, c'est qu'il voit frapper pour qu'il sorte de là. Ah oui, oui. Jean-Guy est encore agile pour son âge. Lui qui a fait une longue carrière à jeu des amateurs, a tenu ça à bout de bras dans la région de Québec, lui, l'arbitrage pendant des années avant de tourner professionnel. Et fait toujours du bon travail. Et ce qui est intéressant, c'est que les gens de la régie, des sports, des écoles, des courses et des jeux. Quand on va au Colisée de Québec, on va faire des galas à Québec, on lui donne de l'importance, de même participer à un combat de championnat du monde à un moment donné, chez lui à Québec, ce qui était tout un honneur. Gabby Mancini accorde le premier round à Charlo, un 19 contre Otto Bellamy. C'est parti pour le deuxième. Il n'y a pas de doute que tu as du Suédois là. Un peu comme on mentionnait tout à l'heure, de se rapprocher, mais de bousculer un peu Charlo. On voit les rounds lors du premier round, 4 par Hotel, 2 par Charlo. Entre le 2 et le 5e avantage Charlo, 6 contre 3. Et vraiment, Hotel, c'est KO. Il les a obtenus la plupart entre le 6 et le 10e round, 9 contre 3. Et lors des 11e et 12e rounds, aucun des deux boxeurs n'a réussi une victoire par mise hors de combat. C'est un peu une reprise du combat qu'on a vu tout à l'heure, Williams et Medina. C'est un boxeur qui est très talentueux, là, qui veut boxer à distance. Et si tu le laisses aller, mais tu vas toujours être deuxième. Donc, c'est à toi de provoquer des choses, éviter de faire le combat de Charlot. Le Charlot, lui, c'est facile pour lui, le boxeur de talent comme ça au bout du coup. Ça va être bon. C'était bon, oui, oui. Regardez la réaction de Ota. Quelques instants pour retrouver ses esprits. Jean-Guy Brousseau s'assure que le boxeur est apte à poursuivre. On part le chronomètre et la suite de ce deuxième round. Peut-être qu'on est chez les super mémoriens, combat éliminatoire, 10 rounds prévus. Charlot nous demande vraiment un beau jeu de jambes. Il se déplace facilement. Il est très agile, ne croise pas les jambes, toujours en équilibre et capable de revenir en contre-attaque en tout temps. Fait des pas de côté, fait des pivots, vraiment toutes les aptitudes voulues pour se donner des angles intéressants. Et ça, ça va lui aider dans sa carrière parce que défensivement, il ne doit pas être là, c'est déjà beaucoup. Oh, belle merveille ici de Hotter, finalement. Mais courte, mais là. Bon, content d'avoir touché quelque chose. Oui, absolument. Ça prend ça pour se bâtir une confiance dans ce type de combat. On prend tout ce qui part, j'ai l'impression. Encore, bonne main droite. Main arrière par-dessus Jamie de Charlot. Donc, il se débrouille bien. Là, maintenant, il est en train de trouver son but. Ah, quel bon déplacement de Charlot. C'est Ota qui tente de dicter le jeu. Oui, 30 secondes à faire au deuxième round. C'est la fin du deuxième. Comme ici qu'on va voir le coup bas. Regardez bien la main gauche. Oui, et là c'était bas, là. C'était sous la ceinture. Les jointures étaient sous la ceinture, donc
effectivement, ça méritait un temps de repos. C'était plus clair que ce qu'on avait vu plus tôt dans la soirée. Quand on parle de déplacement de boxeur, ce qui est intéressant dans le cas de Charlo, c'est qu'il ne se sauve pas. Il se déplace latéralement, il est toujours en position pour revenir. Ouais. Donc, c'est la différence. Et on voit ici Lucien Louté, là, avec Jean Bédard, le grand patron des groupes Sportsène. Donc, Lucien qui a encore beaucoup d'admirateurs, hein, des champions du monde de 2007 à 2012 et tout un gentleman. Lui qui devrait revenir sur le ring tôt à l'automne. Alors, l'autre 19 à l'affiche de Charlo, selon Gabi Mancini. Tu parlais... Quelle main droite! Surprise! Hey! Quelle main droite explosive! Et Charlo se retrouve rapidement sur le derrière et se lève. Ah, ils sont déjà prêts. Et là, les Japonais sont très heureux dans le coin. Là, ils se peuvent plus. De placer cette fameuse main droite depuis le début de l'affrontement, a profité d'une contre-attaque. Là, Charlo qui est en offensive, qui avait les mains un peu basses et boum! On vient de tester la résistance de Charlo. Là. Oui, Charlo Otak a quand même 16 victoires par l'encontre sur ses 24 victoires. Et c'est une courte main arrière avec un bon transfert de poids qui a terrassé Charlo. Et ça, c'est tout un message qu'il vient de lui envoyer. Là. Un mélange de précision et de puissance de la part d'Otak. Il surprend son rival dès le début du troisième round. Charlo, par exemple, n'a pas paru ébranlé, là, étourdi. Tombé au sol, s'est relevé, récupéré rapidement, mais n'a pas paru en danger. Là. Donc, il est encore là. Mais par contre, ça va le faire réfléchir. C'est un message, là, un solide message qu'il vient d'avoir. Tente de reprendre le contrôle de Strong. Personne ne veut venir de cette main droite-là. Là. Non, grande surprise. La plus grande surprise de la soirée jusqu'à maintenant. C'est sûr que ça change la donne. Parce qu'il n'y a pas de doute que les deux premiers rounds allaient à Charlo. Et là, avec cette chute au tapis, eh bien, ça nous met, ça ramène les compteurs à zéro finalement. Oh. Attends, on l'a vu travailler en combinaison encore. Lui, il n'a pas le choix là, de par son physique. Il se doit absolument d'être actif. Mais en faisant ça, il a baissé ses mains et Charlo l'attend avec un crochet à la tête. Son corps était, sa tête était à découvert. 25 secondes au troisième. De boxe, effectivement, Mike. Les montagnes russes. Et il est pas content, Charlo. Là. On est dans son coin, là. On va peut-être revoir cette séquence-là dès le début du troisième où il a visité le tapis. Et on va comprendre pourquoi. Charlo qui était en attaque, et là, il se fait surprendre. Ah oui, bonne main droite. Ouais, il est en tombe, un peu une perte d'équilibre aussi, Charlo. Donc, jusqu'à un certain point, Charlo n'avait pas été branlé. Les deux pieds, il avait les deux pieds sur la même ligne. Donc, déjà, n'était pas en mesure de rester debout. Et ça, c'est le dernier crochet juste avant la fin du troisième. Donc, on met quoi comme pointage là-dessus, messieurs? Parce que j'ai l'impression que Charlo a dominé l'affrontement après la chute au tapis. Il va d'un 10-10 du côté de Gabi Mancini. C'est ça, on égale. Le fait, on donne le rang à Charlo, mais le fait que Otak l'a envoyé au tapis, ben là, on ramène ce point-là et on a le rang égal.
Donc, il n'y a pas de dommage pour Charlo. Il a récupéré, lui, là, le point perdu. En moyenne, Mike, on voit la durée des combats des deux rivaux. Oui, la moyenne, 5,9 rounds pour Charlo et 6,5 pour Ota. Donc, c'est sensiblement un peu la même chose dans le cas des deux boxeurs. Je me sens un peu malheureux, les gars. Moi, je vantais le jeu de pied de Charlo, puis finalement, c'est son mauvais jeu de pied qui l'a envoyé le plus. Ah, bon point, bon point. Mais c'est vrai que ça ressemblait aussi à une perte d'équilibre en même temps, puis bien revenu par la suite. Ça, c'est la bonne nouvelle dans son cas. On a terminé le dernier round en face. Les deux pieds sur la même ligne, là, c'est impossible de rester debout sur un coup le moindrement puissant. C'est. Et ça se trompe. C'est un combat qui me fait penser, messieurs, à ce qu'on a vu plus tôt entre Williams et Medina. Oui, et là, Charlo, hein, le couteau entre les dents, là, on a vu qu'il il lance les coups solides, là, surtout avec sa main avant, là, au corps et à la tête. Là. Et il n'est pas fier de lui, de cette chute au tapis. Là. Pour revenir, Daniel, à ce que tu mentionnais au combat précédent, je pense que Ota est beaucoup plus conscient de sa défensive. Ah oui, que Medina, c'est clair. Il a les mains bien hautes. Il n'a pas le choix de s'ouvrir là, lorsqu'il lance des coups, mais quand même, c'est un boxeur qui est. Il y a un certain talent sur les papiers. Le combat est devenu beaucoup plus intéressant maintenant. Ota prend ses chances encore une fois. Donc, Ota a changé d'attitude. Là. Il hésitait à aller vers l'avant, mais là, il est plus hardi depuis la chute au tapis de Charlo. Dans le coin ici, là, que vous apercevez à l'écran, c'est le frère de Charlo qui est dans son coin. Jamal, Charlo, il y a juste une voyelle qui chante. Et autant peut dire que jusqu'à maintenant, c'est sa main droite par-dessus là, le jab de Charlo. C'est vraiment ce qui a été payant pour lui. Là. On a sûrement tenté de réessayer. Bonne main droite. Et le coup bas. Oui, Jean-Guy Brousseau considérait qu'il n'y avait pas de dommage, donc n'a pas arrêté le combat pour rien. Et ça, c'est très bon. C'est une bonne décision, bon jugement de sa part. 10 au quatrième. Bon job de Charlo. Voilà, c'est la fin du quatrième du combat prévu pour 12. Look, you gotta stop fighting this guy a little bit more, okay? Look, he's trying to keep coming over the top of that right knee. Au cours des prochaines minutes, on aura la chance de voir en action tout juste avant Adonis Stevenson, David Lemieux. On l'aperçoit en compagnie de son entraîneur, Mark Ramsey. Et on a aussi Kevin Bizier qui est en attente pour son combat. On s'assure d'être bien échauffé. Là. Avec une mitaine d'entraîneur, on varie tous les coups, les angles, pour s'assurer qu'on n'aura pas de blessure à partir du moment que le combat va débuter et qu'on va faire tous les efforts nécessaires pour l'emporter. Dans ce temps-là, dans le coin d'Ota, donc d'éliminer l'enflure des coups reçus jusqu'à maintenant. Combat à l'avantage de Charlo. Selon Gabi Mancini. On est prêt, on est prêt à reprendre au cinquième. Oh, bonne gauche. Charlo travaille bien avec sa main avant, soit en uppercut ou en crochet. Des coups puissants, puis il touche la cible. Donc, il est encouragé. Et là, le jab, quelle belle technique de sa part. Beau boxeur. Point de vue vitesse, il faut donner avantage à Charlo, messieurs. Absolument. C'est indéniable. Et lorsqu'il se déplace, utilise son jab, reste pas devant Ota, c'est un combat facile. Là, on lui a dit hein, dans son coin, là, on part pareil comme au début. Bonne gauche. Protection des mains hautes d'Ota. Font le travail, mais il y en a une qui a touché là-dedans. Là. Avec son jeu pied, il réussit à se donner des angles là, et déborder. Donc, lui, c'est
quand tu as un jeu de pied comme ça, là, il faut que tu l'utilises parce que c'est tellement un atout majeur par rapport à ton adversaire. Quand Hunter fonce pour tenter de s'approcher, mais il est déjà plus lourd. Il est déjà en position de le frapper parce qu'il est en angle. Oh, quelle belle variété. Charlo a fait du travail, du bon travail du côté gauche du visage d'Ota. On aperçoit sous son œil gauche, il commence à avoir de l'enflure assez sérieuse. Hein. Et ça, c'est le crochet qu'on va venir voir encore une fois. Là. Du côté droit, et la fameuse main droite qui a touché, là, qui a, commence à causer des problèmes. C'est sous l'œil, hein, ouais, Daniel? Sous l'œil gauche d'Ota, il commence à avoir de l'enflure importante. Là. La main droite d'Ota a commencé à baisser. Là. Il y avait une position un peu fermée, là, comme une genre de coquille qu'il y avait. Mais là, tranquillement, sa main droite descend. Et avec un boxeur aussi dangereux que Charlotte, son crochet, il peut payer le prix. Là. Moins d'une minute à faire au cinquième. Je rappelle que c'est un combat éliminatoire entre Ota et Charlo. Courte combinaison précise de Charlo. Très habile. Ouais, bonne droite. Encore cette droite et l'œil qui commence à fermer là. Tranquillement. C'est un crochet trop long là, de la part de Charlo. Voilà les derniers instants du cinquième. Il semble une petite baisse de régime du côté de Charlie Ota, messieurs. Oui, Ota, comme si vous l'avez fait remarquer, son œil, ça commence à être moins beau. Ça rentre rapidement dans son corps. Donc, c'est beaucoup de travail de le soigneur dans le coin avec un handswell. J'ai oublié la production francophone, là, mais c'est la plaque d'acier qu'on met dans la glace et puis que tranquillement on tente d'étirer les tissus pour empêcher l'enflure. Mais là, ça va peut-être prendre plus que ça. Là. Il y a des hommes de coin qui se font des spécialités de ça. Hein? Ah oui, on en a des bons à Montréal. Bob Miller en est un. Ross Amber en est devenu un au fil des années aussi. Et c'est des magiciens finalement. Tellement important. Bon, ça peut faire toute la différence. Ils sont bien payés, mais d'un autre côté, ils ne peuvent pas la différence entre une victoire et une défaite. On arrive donc à mi-chemin de ce combat prévu pour 12 chez les super moyens entre German Charlo. Culotte beige et brune avec les écritures rouges. Et son rival, Charlie Ota, en gris. Avec, vous allez les percevoir à l'arrière de cette culotte, un drapeau japonais et un drapeau américain. Et Ota qui semble avoir, lui, s'est donné un peu plus agressif dans ce début de manque. Parce qu'il doit dire, je suis peut-être mieux d'essayer de régler ça plus vite. Parce que juste avec un œil, là, peut-être je ne me rendrai pas au bout. Donc, ni intérêt à s'il y a une conclusion rapide, puis autant que possible des impôts. Ça lui prendrait le même genre d'ouverture ou le même genre de coup qu'il a porté en début de round quand il a envoyé Charlo au tapis. Oui, et là, Charlo, hein, lui, il voit la cible, là, il vient de la toucher encore. Donc, wow, la main droite, là, assez où ça s'en va, il est précis avec son coup. Nombre de rounds en carrière. Avantage Ota, 170 contre 135. Mais je t'assure une chose, c'est que Ota n'a jamais affronté un boxeur aussi talentueux que Charlo depuis le début de sa carrière. Alors ici, les jambes ont manqué, c'est le plus poussé. Donc, il n'y a pas de dommage, mais déjà là, quand il arrive des choses comme ça, ça peut être une indication. C'est une indication. On le sent déjà, ses déplacements sont beaucoup plus lents. Temps de réaction moins rapide. Moins incisif dans ses attaques, Ota. Oui,
Oh, ouais, bon jab. Quel jab, ça veut dire. Droite qui a raté, mais il y a eu une poste dans l'enchaînement de la gauche. Et depuis, sa shot, Charlie domine complètement ce combat. Bon point, Mike. C'est bien, il s'est bien remis. Il a terminé le round en force et depuis ce temps, accumule les rounds maintenant après l'autre. Oui, de la boxe de finesse, de la boxe intelligente, un contrôle total, ça se passe où il veut, quand il veut. Et c'est une belle démonstration de son talent. Il domine depuis sa chute et il faut pas oublier qu'il avait connu un excellent début de combat aussi. Donc c'est... Ouais. Et je crois que sa chute lui a rappelé de demeurer prudent quand même, de revenir aux choses bien de base. Là. Simplement se déplacer son jab, lancer ses mains droites et se protéger. Ah, ouais. Ouais, belle main gauche pour terminer ce sixième round qui encore une fois est à l'avantage de Charlo qu'on aperçoit dans son coin. That's one punch, okay? The hook is good, but if it don't come back with the right hand and then another hook, then it's no good. You understand? It is one shot, okay? Look, you're breaking this guy down. This guy's breaking down good. But you understand something. You got to throw coordination. You keep shooting, and you're reaching. You're reaching. Look, you got to step in with double jab, shoot the right hand, hook, then right back with the right hand. You got to keep stepping. You got to add face to it. As the face, when you make the step back, that's when you go forward. Okay? Give me deep one. And look, now, every now and then now, we got to start checking in the body now, okay? Don't be afraid to go down that body, but you got to keep your hands up. The guy's looping one punch. One punch and one punch only. Okay? Let's go to work. Alors, Gabby Mancini est allé de 19 à la faveur de Charlo pour ce sixième. On entre dans la... En dernier droit de ce combat, début du septième. L'entraîneur de Charlo, très démonstratif. Très, très démonstratif. Très encourageant pour son boxeur. À distance. Le jab est sec et dérangeant. Et de temps en temps, il fait de la variation, il feint son jab, il lance son crochet, donc il est souvent sur la cible. Une 30 à faire au septième. Alors, toi, semble moins pressé de payer le prix. Au début du combat, il tentait plus d'action vers l'avant. Là, il est plus lent à se porter vers l'avant. Là, il a beaucoup de difficultés, pas capable de couper les couilles non plus. Charlo se promène à gauche, à droite, le ring est à lui. Alors, on vient de peut-être avoir une réponse à ton questionnement là, sur la séquence qui vient de se produire là. Oui, c'est ça. Ça semble tellement facile. Lui, dans le fond, tout ce qu'il a fait, c'est pas se mettre les deux pieds sur la main. Ouais, parce qu'il a reçu une petite décharge électrique tantôt, là. Ouais, bon déplacement, ça sort bien. Son côté semble à court de solution dans ce round. Oui, beaucoup moins actif, hein. Donc, il laisse Charlo agir à sa guise. Donc, il est en train de faire le combat de Charlo actuellement, là. Dans ce moment-là, Charlo ne fait pas beaucoup de choses, non. Mais c'est facile. C'est ça. C'est un rang facile, c'était un cadeau. Un petit cadeau.
accumulé. Et dans les dernières secondes de ce septième, bonne gauche appliquée par Charlo. Et un autre round à son avantage. Et on voit là, les hommes de poing de Ota qui tentent de résorber la blessure pendant qu'Adonis Superman Stevenson s'échauffe, se prépare pour ce combat de championnat du monde contre Frank Farah. Semble très confiant, hein? Grand sourire, puis travaillait fort. Qu'en entraînement en Allemagne, qu'en entraînement à Windsor, en Ontario. Semble heureux. Et un athlète heureux, généralement, mais ça produit. Voilà, Gabby Mancini confirme ce qui se passe actuellement depuis le début du premier round, à l'exception peut-être de cette parenthèse. Chute au tapis de Charlo au troisième. Sans cela, ben, c'est une domination du boxeur américain. Dans les deux dernières années, on voit les rounds pour Ota 33 et 55 pour Charlo. Donc, Charlo qui est plus actif que son opposant. Ouais, Charlo en 2013 a deux victoires avant la limite, une contre José Angel Rodriguez et une autre par KO contre Harry Joe Jorge. Charlo qui, lui, n'a pas changé la recette, là, se déplace et laisse concède le centre du ring à Ota. Il n'a pas besoin de ça. Se donne des angles, une petite combinaison de temps en temps et tout de suite se remet en position. Donc, ça devient un casse-tête à trois dimensions pour Ota, c'est plus quoi faire. Mais il n'est pas à peu près. Avec bien des morceaux. Et lorsqu'il y a des échanges, souvent, c'est du 2, du 3 contre 1. Donc, Charlo qui domine vraiment, démontre tout son talent, son potentiel. Il est intelligent. On le voit. Ça a l'air d'un combat extrêmement facile. C'est pas nécessairement un client facile, mais ça paraît facile parce qu'il donne du temps. Ota, de par sa stature, est obligé d'aller vers l'avant. Et il va vers l'avant pour frapper, mais là, dans le moment, il va vers l'avant pour se faire frapper. Donc, c'est pas encore à un. On est encore à corps. Charlo décide de se sortir de là. Il reprend ce qu'il fait si bien. Impose son jab. Et Ota ne reste pas là. Charlo ne reste pas là. Dès qu'il sent qu'Ota est prêt, tout de suite, déplacement pas de côté. Pivot évite comme là il vient de le faire. Tout pas arrière. Ne reste pas, ne veut pas lui donner la chance à Ota d'exploser au corps. D'autant qu'à faire de la variation, il a accroché ce coup-ci. Crochet de la main maintenant. Ça tient. Bernard, tu parlais de la qualité de son jab, là, mais c'est, il n'est pas prévisible, Charlo. Et c'est ce qui fait que c'est difficile pour son rival. Oui. Et là, le moment, là, c'est, il est vraiment en train de lui arranger le visage, là, parce que ça vient de tout bord de côté, c'est toujours sur la cible. Charlo qui va se diriger dans son coin encore une fois avec le sentiment du devoir accompli. Oui, il accumule les rounds, lui. Ça va bien. Là. L'avance est presque même insurmontable là, finalement, à moins d'un coup magique, un lucky punch qu'on appelle dans la boxe de Ota. Mais tout est possible, c'est bien entendu, mais dans le moment, c'est tellement facile pour Charlo. La qualité de boxe est de son côté. Wow. Andrew Fonfara, celui qui affrontera Denis Stevenson au cours des prochaines minutes. Est en préparatif lui aussi. Grand boxeur de 6 pieds 2. Grande portée.
représenté la Pologne dans de nombreux tournois internationaux. Fait son premier combat en Pologne aussi chez les pros avant de s'en aller à Chicago, Illinois, pour poursuivre sa carrière chez les professionnels. Une fanfare depuis qu'il est chez les Milours. Toujours invaincu, 13 victoires, aucune défaite et 12 victoires par KO. Le seul qui n'a pas tombé, c'est Glenn Johnson. Ouais. Et on sait à quel point il est difficile d'arrêter ce Johnson. Donc, une fanfare de ce qu'on a pu voir, du moins de mon côté, c'est un boxeur qui s'est amélioré également dans le passé. Donc, quand il s'est battu contre Johnson, c'était 8 mois après que Johnson ait perdu contre Chuck Boutte. Boutte, ouais. Alors, voilà. Charlo. Autant avait réussi à placer un crochet au moment où Charlo était adossé au cadre, en a reçu trois sur la cible. Donc l'échange n'a pas été fructueux. C'est ce que Mike disait au round précédent, c'est du 3 pour 1. Ouais. Ça sort vite, hein? Oui, vraiment impressionnant. C'est pas pour rien qu'on voit ce boxeur-là sur. À la télévision aux États-Unis depuis déjà quelques années. On veut le montrer. On est conscient qu'on a peut-être un trésor entre les mains. Il nous démontre ce soir. Il est plus rapide, plus habile, plus agile, plus intelligent dans la ligne. Il a aussi des avantages physiques aussi. Il est plus grand, meilleure portée, mais il s'en sert bien. Et il n'entre pas dans le jeu là, d'échanger corps à corps avec Otto. Non, il sait. Où est son profit? Et il l'utilise bien. Ils savent qu'il ne sera pas comptabilisé, évidemment, comme une chute. On peut poursuivre. Oh, ça c'était bon. Ça c'était très, très bon. L'arbitre Jean-Louis Rousseau était d'eau, par exemple. Elle était de l'autre angle, de l'autre côté. Il n'a peut-être pas nécessairement aussi clair que nous, mais pour nous, c'était très clair. Nous, on l'avait, là. Ouais. Comme on dit dans le passé. Je pense qu'il a besoin de retrouver ses esprits, là. Bon, c'était déjà la deuxième fois. Donc, Jean-Louis Rousseau dit maintenant, voilà. Là, ça va faire. Alors, on enlève un point. Donc, de toute façon, ça ne fait pas un gros dommage dans le moment, dans le résultat du combat. Charlo a tellement une avance presque insurmontable. Je peux quasiment y en donner un autre. C'est le genre de choses qui ne fait pas l'affaire de boxeur quand on est victime, mais. Semble vouloir faire payer le prix à son rival, le temps soit peu, mais riposte de Charlo aussitôt. Parce que le crochet de la main avant touche tellement souvent. Otto, éventuellement, c'est les deux yeux là, qui. Il y en a un qui est déjà pas mal entré, mais l'autre, là, avec le nombre de coups qu'il reçoit, là, ça va très bien gagner aussi. Va changer de forme. Charlo est tellement encore explosif à ce stade-ci du combat. C'est l'agilité qu'il a encore au 9e round. Regardez ses déplacements. On est quand même au 9e, n'a pas les jambes lourdes. C'est comme un balai qu'il fait sur le ring. Encore une fois, un round quand même facile pour Charlo. Qui accumule les rounds malgré la perte d'un point pour Kuba. On va voir ces coups bas. Là. Là, c'était sans équivoque. Et vous avez vu, Jean-Guy Brousseau était de l'autre côté. Ouais. Donc, lui, c'est un peu mêlant, là. Il faut qu'il devine. Il était complètement dos à l'action. Come on now.
10-10 pour la deuxième fois dans ce combat. Avec le coup bas, le point perdu, Kamal gagné le round, donc ça l'a égalé le round. Est-ce qu'on a pu donner un 9-9? Il faut absolument donner 10. C'est la raison pourquoi on a mis ça à 9-9 pour revenir à 10-10. Là, Charlot, changer d'attitude. Là. C'est comme s'il voudrait s'en débarrasser maintenant. Là. Il sait que le combat gagné sur le pointage. Hein. Il se dit peut-être je pourrais agresser ma fiche de knockout. Donc, Otton ne semblant pas dangereux, prend des chances. C'était de toute beauté. Et on a une belle séquence au corps également. Deux esquives là, de champion. Revient avec son crochet à la tête, bang sur la cible. Ça en dit gros sur la qualité des deux boxeurs quand il arrive une situation comme ça. Ça, dans le moment, on ne peut pas se le cacher, c'est un sens unique. Donc. Toute une leçon de boxe que Otter reçoit. C'est clair. On a remarqué également le travail avec qu'on a fait dans son coin pour tenter d'enlever l'enflure sous la gauche qui est présente depuis un bon moment dans le combat. Ici, Otto touché avec son crochet, mais pas de transfert de poids, plus de puissance, la fatigue est là. Donc, un coup finalement qui n'a pas d'impact. On est dans les dernières secondes de ce 10e round. Combat éliminatoire prévu pour 12 chez les super mi-moyens. Combat dominé par Jermell Charlo. Oh, bon jab. Jab de sa qualité en déplacement avec précision, là, c'est du grand art. David Lemieux, lui, disputera la demi-finale dans quelques instants face à Fernando Guerrero, américain d'origine de la République dominicaine. C'est ce qui pourrait être potentiellement le combat de la soirée parce que deux boxeurs explosifs, agressifs. Deux belles esquives, trois belles esquives et la contre-attaque. Et bang sur la mâchoire. Tellement décourageant pour Walter sur une séquence comme ça. Oh. Charlo qui mérite la faveur de Gabi Mancini pour le 10e. Voici le 11e et avant-dernier round. J'avais pas remarqué, Daniel, tu avais fait une remarque au début du combat en parlant de la culotte de Charlo avec sa fourrure. J'avais pas remarqué que ses jambes de poing avaient le même genre d'uniforme. Ben oui. Donc c'est peut-être pas juste une. Une bébête qui ont tué, ils en ont peut-être tué plusieurs. Parce que c'est assez rare qu'on voit ce genre d'accoutrement, là. Mais c'est spécial. On n'a pas identifié encore l'animal. Non, ça c'est de la fatigue seulement. Guy Rousseau s'assure que le boxeur est OK pour poursuivre, c'est le cas. Peut-être un groupe de chasseurs. Ah, peut-être.
de savoir dans quel point ils sont allés chasser. Charlot ici qui tente jab direct, il revient avec un autre jab parce que là, Ota commence à faire des mouvements vers l'arrière. Là, il commence à être un petit peu tanné de se faire frapper solidement. Donc, pour le rejoindre, au lieu d'aller avec son crochet dans le troisième coup, il va avec un jab long. Et des fois, il réussit à lui toucher. C'est pas obstiné, on lui a laissé le centre du ring tout le long. Ouais. À Toc, tu veux l'avoir, le centre du ring, garde-le. Puis lui, il a longé des câbles à gauche, à droite, est revenu et a étiré ses grands bras. Facile, facile. Et on est au 11e, il est encore très, très mobile, il n'a pas ralenti. Vite et mobile, bon point, Bernard. Et là, il poursuit les attaques, il tente de finir. Il a touché solidement, hein. Là, il a senti qu'il avait peut-être sa chance là, de l'ébranler, de l'envoyer au tapis. Attaque a bien réagi sur la séquence précédente en accrochant, en évitant le danger. On sent Alta là, nettement moins agressif. C'est beaucoup de travail. Hein. Quand un boxeur se déplace comme ça, là, c'est beaucoup de travail aussi pour l'arbitre, pour ne pas être une interférence sur le ring. Ouais, bon point. Et Jean-Guy Brousseau vient faire ça jusqu'à maintenant. Tour du village, lui aussi. Ouais, c'est un petit marathon pour lui. Là. Alors, on dit souvent qu'au hockey, les officiels sur la patinoire en patinent d'un coup. Là, Jean-Guy Brousseau, aujourd'hui, là, on va lui mettre notre chapeau parce que il s'est promené pas mal. Sincèrement, il y a le deuxième meilleur jeu de pied sur le ring. Avant Wata. T'as bien raison. Alors, c'est la deuxième fois que Charlo va avoir un deuxième round. La première fois, c'était dans une victoire face à Dimitrius Hopkins. Et du côté de Wata, c'est la cinquième fois au cours de sa carrière qu'il va avoir un deuxième et dernier round. On a gagné son championnat américain en 2013 sur Demetrius Hopkins, le neveu de Bernard Hopkins. Donc, boxeur classé à ce moment-là, 33 victoires, 2 défaites en combat. On a gagné une décision unanime, 115-113 sur les 3 quarts des juges. Donc, pour lui, c'est la victoire la plus importante de sa carrière. Alors, Jermell Charlo va-t-il terminer le travail avant les 3 minutes restantes? Chose certaine, c'est que Charlie Ota, lui, n'a jamais perdu par KO TKO dans sa carrière. On est dans le 12e et dernier round de ce combat éliminatoire chez les Super Mi-Moyens. Là, on va voir un petit peu d'attitude de Charlo. Quand on est dans un 12e round comme ça, le combat gagné, il n'y a pas un grand danger de se faire passer dans le 4. Ota est très éprouvé. Donc, est-ce que lui, avec ce qui lui reste dans les gants, va tenter de s'en débarrasser ou va juste gagner du temps? C'est ce qu'on va voir au niveau de son caractère. Et de l'autre côté, Bernard, on va voir du côté de temps si lui va se contenter de la décision ou il va quand même essayer le tout pour le tout. Oh, on va de gauche. Ça a claqué, on l'a entendu jusque dans le coin rouge. Encore, Ota, s'il nous a caché quelque chose dans sa technique depuis le début, c'est le temps. Là, de moi, c'est le temps. Sors ton lapin de chapeau. Là. Ouais. À la fois, le lapin est déjà dessus. C'est peut-être un lapin brun. Ouais, peut-être. Sa culotte. Ouais. Non, mais on voit qu'Ota, c'est pas qu'il ne veut pas. C'est qu'à chaque fois qu'il s'approche, il se fait recevoir. Ouais, c'est ça. Ça devient. Ton cœur veut y aller, mais à un moment donné, sa tête dit non, là, on va laisser ça faire une fraction de seconde. Mais l'hésitation est là. Au-delà de l'avantage de la portée à la faveur de Charlo, il faut souligner sa vitesse, sa précision. C'est un net avantage. Mais si tu regardes les yeux, maman, quand on regarde les yeux d'Octobre, là, c'est quelques journées de lunettes de soleil, ça. Là. Ah, ouais, ouais. Je sais pas s'il mouille au Japon, là, c'est ainsi. Ouais. Et même partant gris. Hein. Ouais.
Parce que là, ça sera pas beau demain, ça là. On sait qu'à la boxe, la vitesse, c'est tellement... ce qui fait toute la différence. Puis je pense qu'on a un bel exemple dans ce combat. D'une certaine façon, tu peux contrôler la puissance avec une bonne défensive. Tu peux faire attention à toi. Mais la vitesse, là, c'est tellement... On a se rappeler des Sugar Ray Leonard. Ça allait tellement vite. C'était comme l'éclair avec les boxeurs de l'autre côté. Claquait des dents, ça savait plus quoi faire. Ben Mayweather est le plus bel exemple actuellement. Malgré qu'il est rendu à 36 ans, 37 ans, qui est encore tellement rapide. Que je me souviens de Mildred Taylor. Extrêmement rapide également. Rod Jones, dans ses meilleures années, c'était effrayant. Là. C'était décourageant pour tout le monde. Mohamed Ali aussi, d'ailleurs, à ses meilleures années. D'ailleurs, Mohamed Ali, en ce 24 mai 1976, remportait sa dernière victoire par KO en carrière. Il a gagné des combats par la suite, mais en 76, en pareille date... Mohamed Ali qui avait dit, lui, dans ses meilleures années, il dit, moi, je suis tellement rapide quand je me couche le soir, quand je ferme la lumière n'est même pas éteinte, je suis déjà sous mes couverts. On a assisté au cours des dernières secondes, aux derniers instants de cet affrontement entre Jermell Charlo et Charlie Ota. On a vu un bon boxeur, hein, les gars? Oui. Sincèrement, là, c'est dans la lignée des Julian Williams qu'on a vu tout à l'heure, mais là, avec Charlo, là, Charlo, c'est un autre boxeur qui va faire la gloire de la boxe américaine dans les prochaines années. Ça fait une belle bataille, Julian Williams contre Jermell Charlo. Oui, mais avec le même gérant, j'ai l'impression qu'ils vont prendre des routes différentes. Et voilà, c'est ce qui arrive parfois dans le monde de la boxe. Ça, c'est Kuba. On pense que c'est la chute au plancher, là. Pas sonné, hein, vraiment, ça l'a juste réveillé un petit peu. Un petit choc électrique, là. Un petit choc électrique. Et par la suite, ça a été une domination totale. Vraiment, là, c'était vitesse, combinaison, déplacement, intelligence sur le ring. En tout cas, Charlo nous a prouvé qu'il était capable de faire 12 rounds sans baisse de régime. Effectivement. J'ai comme l'impression qu'il aurait pu en faire 15 rounds, là, Charlo. Ouais. Mais attends, je suis pas sûr. Je pense qu'on se met une bonne paire de lunettes au soleil comme la mère disait. Puis... Non, ça devenait trop souffrant dans son cas. Encore une fois, la démonstration de vitesse. Je pense que c'est le mot-clé de ce combat à la faveur de Jermell Charlo. On vous le rappelle... Dans d'autres combats à vous présenter dans les prochaines minutes, à venir David Lemieux, Adonis Stevenson, mais également Kevin Bizier et Eric Bazinian. Reste à savoir ce sera quoi l'ordre exact. Oh, ici on voit Ota, là, on voit son œil, il est près de nous. Là. Ouais. Oh, que c'est pas beau ça. Oh, beaucoup d'enflure. Ouais. Ladies and gentlemen, after 12 rounds of action, we have a unanimous decision, décision unanime. Judge at ringside, Jean Lapointe scores the bout 115 to 111. Judges Larry Hazard Jr. and Robert Paolino both score the bout 118 to 109 in favor of the winner, Jermell Iron Man. Charlo! Alors, victoire de Jermell Charlo, 24e victoire en autant de combats chez les professionnels. Il conserve évidemment sa fiche à 11 KO. On va en profiter pour aller au centre du ring en compagnie du collègue américain pour écouter les propos du gagnant Jermell Charlo. All right, Mo, thank you very much. Jermell, congratulations to you. Your assessment of this fight? Oh, this was a rough one, but I want to first start off by thanking God. You know, he put me in this position, he gave me the platform, and I just did what I had to do tonight. Jermell, in the third round, you went down for the first time in your career. What happened? To me, I slipped. I didn't feel a solid shot. You know,
You know, take a look at it right now. He hit me with a right hand, but it wasn't one of the punches that hurt somebody. It just, I caught me off balance as I was coming back. 1 foot a little off balance. Yeah, just 1 foot off balance and it knocked me, but I got, it is what it is. So now what would you like to do? Are you ready to step up and do you feel as though you're ready at this point now to compete for a title? Well, definitely. I'm still young and I'm still growing, so this is just more to come for me. Me and my twin brother, we're trying to put on for H-Town, Houston, letting everybody know. Shout out to Lakewood. But Demetrius Andrade, maybe? They got champions. They got them at 154, and we're looking to be in front of them. All right, you guys, hope you had a good birthday, the yes, twins. Sir. Look forward to seeing you. Congratulations. Thank you, Eli. Thank everybody at home. Thank my twin brother. Thank Al Heyman. Thank the whole team, baby. Ronnie Shields, Plex Performance. Earthland DeLore, you next, baby. Let's go. All right, you got them all in there. Mo, back to you. Ah, ben voilà pour les commentaires de Jermell Charlo.